service au sein du BPA consiste à observer les traces de sang sur une scène de crime. Donc on descend sur la scène, on observe toutes les traces, on prend des photos de toutes ces traces et après ça on fait une analyse approfondie. Pour être un bon expert au sein de la BPA, je pense qu'il faut avoir un esprit critique, avoir de la rigueur, de la méthode et aussi avoir un côté un peu décalé parce que ce qu'on est amené à voir est quand même assez difficile. Il faut avoir un bon esprit d'équipe. Je pense qu'on a de la chance, nous, ici à la BPA, d'avoir une très bonne équipe. On doit s'entraider et pouvoir bien travailler ensemble. Je crois que ça, c'est important. Durant les activités à la DJT, j'ai pu apprendre à repérer les faux billets et les fausses pièces. On a ensuite appris à prélever les empreintes qui sont parfois sur les scènes de crime et à rédiger un rapport post-mortem. Quand les experts scientifiques se déplacent sur une scène de crime, ils font attention à relever chaque détail, à faire des photos et relever toutes les empreintes qui se trouvent. J'ai passé vraiment une bonne après-midi, j'ai découvert différents domaines de la police scientifique et c'était très chouette.